Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Bonne année la famille. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Je voulais partager avec vous quelques repas rapides que vous pouvez réaliser pour la fête du Nouvel An. C'est vraiment des recettes, des repas que j'avais fait pendant la fête de Noël. Je dis pourquoi pas mettre cette vidéo. Peut-être vous aurez des idées, c'est vraiment du repas facile à réaliser. Voilà, et je ne vais pas mettre de recettes parce que la plupart des recettes, j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Je vous mettrai juste les liens si vous voulez voir du recette. Pour commencer, j'avais fait les brochettes de bœuf. Juste quand vous faites vos brochettes, pour éviter que vos pics des brochettes s'abrillent, vous avez juste à prendre un saladier, vous mettez de l'eau, vous rajoutez des glaçons, vous laissez reposer vos pique des brochettes pendant 30 minutes au moins. Ensuite, vous pouvez mettre vos viandes pour la cuisson. Essayez, vous allez voir, vous allez plus avoir un souci que le brochette ça va brûler, tout ça. Je fais comme ça et ça ne brille pas. Et j'avais aussi fait le samoussa. Je vais juste prendre la poêle que je mets l'huile et je vais faire cuire mes samoussas. Les samoussas, vous pouvez trouver même Lidl maintenant, Aldi, ils font aussi des samoussas, des assortissements exotiques. Voilà, moi je vais faire juste les samoussas et avec l'air fryer. Tout ce que je vais faire aujourd'hui, je ferai avec l'air fryer. J'avais mis des ailes de poulet. Pareil, j'ai déjà fait une vidéo de recette. Je vous mettrai aussi les liens. Voilà, j'ai juste fait avec l'air fryer. Je trouve que c'est rapide. Voilà la famille, j'avais aussi acheté les poulets façon KFC. J'ai l'habitude de faire le poulet façon KFC fait maison. Sauf que comme j'avais pas le temps et surtout je vous dis, je me sentais pas bien. Donc je fais vraiment des repas qui étaient rapides pour moi et qu'on mange bien et que les enfants ils aiment vraiment. Voilà, je vais faire ça avec l'air fryer toujours. C'est trop bon, même les poulets KFC vous pouvez faire. Je fais à 200 degrés pendant 30 minutes. Voilà, c'est vraiment bien. Je voulais partager ces moments avec vous, quelques recettes que j'avais mangées pendant la fête de Noël. Voilà, je ne me sentais pas bien, donc il fallait faire le repas pour les enfants. Donc, je n'avais pas le choix. Et je misais avec le repas que je trouvais que c'était rapide à faire et facile. Et surtout que j'avais ça à la maison, voilà, avec le même huile que j'avais fait les samoussas. Je vais faire le bon de plantain. Ne vous en faites pas, c'est pas sali, donc vous pouvez encore utiliser l'huile. Voilà, je vais juste faire le banane plantain. Le banane plantain, vous pouvez en trouver dans des magasins exotiques africains. Les clercs aussi, ils vendent maintenant le banane plantain au champ. Vous pouvez en trouver aussi, c'est trop bon. C'est pas des bananes, c'est gris qu'on mange, c'est le banane plantain. Donc, il faut faire cuire ça avant de manger. C'est comme ça que je vais disposer mes brochettes. Essayez la famille, c'est trop bon la recette. Quand vous faites avec l'air fryer, vous allez voir, c'est vraiment facile et ça prend pas du temps. Voilà. J'avais fait un plateau de fruits, vraiment c'est facile aussi à faire et rapide, surtout la famille. Quand vous avez des invités, vous avez des fêtes en famille comme ça, comme le Nouvel An, Noël, fête d'anniversaire, faites aussi des plateaux de fruits. Je trouve que c'est bien déjà les fruits. Manger 5 fruits et légumes par jour, voilà la famille. C'est déjà bien et ça rajoute aussi ces côtés décoratifs sur votre table. Moi, je préfère vraiment faire ça. Si vous n'avez pas vu, j'avais déjà fait aussi une vidéo de brunch que j'avais partagée. J'avais fait plein de fruits, plein de recettes pour décorer votre table, pour donner cette envie aux enfants de manger les fruits. Faites des plateaux comme ça. Et les fruits, je vais juste les découper sur les côtés, comme vous voyez. Quand vous allez couper ça, vous allez voir, ça fait ces côtés décoratifs. Il y avait ma fille juste à côté, elle voulait manger les fraises. Ma fraise, elle aime tellement les fraises. Voilà, c'est comme ça que je fais les plateaux de fruits.
Je vous mettrai pareil les liens dans la barre de description ou à l'écran de fond si vous voulez voir comment réaliser vos brunchs facilement et rapidement pour faire plaisir aux enfants. Regardez mes brochettes, c'est comme ça. Regardez depuis que des brochettes, vous voyez, c'est même pas brillé. Même au four, vous pouvez faire comme ça. Et la table, j'avais disposé la table comme ça, comme je n'avais pas montré ma table du Noël, la famille. Je ne me sentais pas bien pendant ces périodes. Voilà la table que j'avais fait, c'est vraiment simple avec tout ce que j'avais à la maison, je n'ai rien acheté. Voilà, c'est comme ça la table du Noël. Vous pouvez utiliser cette table aussi pendant les réveillons de Nouvel An. Voilà, c'est même si vous recevez des invités, vous pouvez utiliser cette table, le modèle comme ça. Je trouve que c'est joli, c'est simple, voilà. Les couleurs, ça match bien. Voilà, c'est comme ça que j'avais disposé ma table de Noël. Voilà la famille, le repas que je voulais partager avec vous. Et quand vous recevez ou vous faites du fête en famille, je vous conseillerais vraiment de mettre un plateau de fruits. Vous mettez un plateau pour les apéros, la famille, et la salade juste à côté. J'ai déjà aussi fait une recette de ma salade. Si vous me suivez, il y a plein de vidéos de recettes de salade. Voilà, je vous mettrai aussi ça. C'est comme ça, ma table, j'ai mon plateau d'apéro juste à côté. Je fais les bananes plantains, il y a la chikwang, c'est pour les Congolais. Voilà, il y a les beignets que j'avais fait, je vais pas partager la recette parce que je suis pas experte, je fais pas tellement bien les beignets. Voilà, je fais la façon que mes enfants les aiment. Mon plateau de fruits, c'est comme ça, je trouve que c'est simple, mais c'est juste miam. Ça donne envie. Si vos enfants ils aiment pas le fruit, faites des plateaux comme ça, vous allez me dire, ils vont certainement manger. Voilà, mes brochettes, c'est comme ça. J'ai juste mis les oignons à côté parce que mes enfants, ils n'aiment pas l'oignon. C'est juste pour moi. Voilà, je fais aussi le plateau de banane plantain. L'autre plateau, j'ai mis les samoussa avec les poulets KFC. Voilà, les poulets épicés, c'est juste à côté. Et la salade que je vous ai dit, c'est juste à côté. Les poissons, de l'autre côté, je suis sûre que il faut vraiment que j'achète un buffet pour faire le buffet à chaque fois que je vais faire les repas. Voilà, c'est comme ça, en famille, Noël en famille, on avait bien mangé. J'espère vraiment que cette vidéo, ça vous a plu et que ça va vous donner des idées pour faire vos recettes pour le repas des Nouvel An. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Et si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner, partager, liker la vidéo, activer la cloche des notifications. On se dit à la prochaine vidéo. Bye bye et bonne année 2023 au nom de Jésus-Christ. Bye!